and gentlemen, the President of the United States and Mrs. Reagan. Ladies and gentlemen, the national anthems of the Republic of Mali and the United States of America. Thank you.
Excellency, this concludes the honors. First official visit to the United States. C'est un honneur et un plaisir de vous accueillir à l'occasion de votre première visite officielle aux États-Unis. You and all the people of Mali are good friends of the United States. In addition to deeply appreciating your support on international issues,
We admire Mali as a country where people of different ethnic and religious backgrounds respect each other and live together in peace. Vous-même ainsi que le peuple du Mali, vous êtes d'excellents amis des États-Unis. De plus, nous apprécions profondément votre appui sur les questions internationales et nous admirons le Mali, pays dont les populations d'ethnie et de religions différentes se respectent et vivent dans la paix. You and your country have also courageously embarked on an economic reform program. As a result, Mali has been one of the major aid recipients in Africa, and we're pleased to have been able to assist you with this program. Vous êtes lancé avec votre pays, lancé courageusement dans un programme de réforme économique. De ce fait, le Mali est un des principaux bénéficiaires d'assistance en Afrique, et nous sommes heureux d'avoir été en mesure de vous aider à l'élaboration, à la réalisation de ce programme. Mr. President, we're also pleased by your visit because you represent not only Mali, but also the Organization of African Unity, of which you were recently elected chairman. And we ask you to accept our congratulations on your election to this important post. Monsieur le Président, nous sommes heureux de vous recevoir également car vous représentez non seulement le Mali, vous représentez également l'Organisation de l'Unité africaine dont vous avez récemment été élu président en exercice. Nous vous demandons d'accepter toutes nos félicitations à l'occasion de votre élection à ce poste important. Earlier this year, the OAU celebrated its 25th anniversary. During its history, the OAU has played a vital role in resolving regional conflicts in Africa and has helped African countries to work together to solve problems and promote economic development. Cette année, l'OUA a fêté son 25e anniversaire. Au cours de son histoire, l'OUA a joué un rôle vital dans la solution des conflits régionaux en Afrique et a aidé les pays africains à collaborer pour la solution des problèmes et la promotion du développement économique. Under your leadership, Mr. President, I am confident the OAU will continue with these crucial activities. You have already demonstrated your interest in helping to promote regional settlements in southern Africa and the Western Sahara. Monsieur le Président, sous votre égide, je sais que l'OUA continuera à mener ses activités d'importance cruciale. Vous avez déjà témoigné de votre intérêt en aidant à la promotion des règlements régionaux en Afrique australe et au Sahara occidental. We hope the OAU can play an even more active role in solving those regional problems and play a key role in promoting development in Africa by encouraging economic reform and cooperation. Nous espérons que l'OUA pourra jouer un rôle encore plus actif dans la solution de ces problèmes régionaux et jouera un rôle clé dans la promotion du développement en Afrique en encourageant la réforme et la coopération économique. Mr. President, I understand there is a Malian proverb that goes, Bolokoni kelente belaita. One finger cannot lift a rock. I think this proverb expresses perfectly the goal and the strength of the Organization of African Unity. Africans must pull together and work together. And we wish you and the OAU great success in working together to achieve common goals during your time as chairman and throughout the OAU's next 25 years. Monsieur le Président, le proverbe malien que je viens de citer et qui signifie que un doigt à lui seul ne peut pas soulever un roc exprime parfaitement le but et la force de l'Organisation de l'Unité africaine. Les Africains doivent œuvrer ensemble et s'atteler ensemble à la tâche. Nous vous souhaitons à vous et à l'OUA énormément de succès dans ce travail commun pour atteindre les buts qui vous sont communs pendant votre mandat de président en exercice et pendant les 25 années à suivre pour l'OUA. Mr. President, we look forward to talking with you over the next few days, not only about bilateral concerns and African regional issues, but about concerns we share in other parts of the world. For Africa, I believe, which represents nearly one-third of the member nations of the United Nations, truly has come of age as a participant in the international arena. Monsieur le Président, nous nous réjouissons à l'idée de nous entretenir avec vous au cours des quelques journées à venir, en évoquant non seulement les préoccupations bilatérales et les problèmes régionaux africains,
mais en évoquant également les préoccupations qui sont les nôtres dans d'autres parties du monde, car l'Afrique, je le crois, qui représente aujourd'hui près d'un tiers des nations membres des Nations Unies, a véritablement atteint sa majorité et participe à part entière sur la scène internationale. Let me say again how pleased we are to welcome you to the United States. We wish you an enjoyable and profitable visit. Thank you and God bless you. À nouveau tout le plaisir que nous avons à vous accueillir aux États-Unis, où nous vous souhaitons un séjour agréable et profitable. Je vous remercie et que Dieu vous garde. Monsieur le Président, je voudrais, au nom de ma délégation et à mon nom propre, vous adresser mes remerciements sincères pour l'aimable invitation qui nous a été adressée à visiter ce grand pays, les États-Unis d'Amérique. Mr. President, I should like, on behalf of my delegation and in my own name, to express my very sincere thanks to you for the kind invitation extended to us to visit this great nation, the United States of America. Et cette visite répond à deux préoccupations. D'abord, au souci de renforcer l'amitié et la solidarité qui caractérisent les relations entre nos deux pays. Our visit meets two concerns. First of all, the concern of making even stronger the friendship and the solidarity which have been a trademark of relations between our two nations. À cet égard, je voudrais rappeler la mémorable visite que le vice-président George Bush a effectuée au Mali les 8 et 9 mars 1985. May I cite in this connection Vice President Bush's memorable visit in Mali on March the 8th and 9th, 1985. Notre peuple y a vu la preuve tangible de l'engagement constant des États-Unis d'Amérique à l'endroit de la République du Mali. It was for our people tangible evidence of the unwavering commitment of the United States to the Republic of Mali. Ensuite, mon profond désir d'apporter au peuple américain, en ma qualité de présidente en exercice de l'Organisation de l'Unité africaine, le message d'amitié des peuples d'Afrique. May I now express my earnest wish to bring to the American people, in my capacity as president of the OAU, a message of friendship from the peoples of Africa. En effet, outre le rôle planétaire que jouent les États-Unis d'Amérique, il existe entre votre pays et le continent africain des relations humaines, culturelles et spirituelles qui se renforcent chaque jour davantage au grand bénéfice des peuples américains et africains. Indeed, over and above the worldwide role played by the United States, there are between your nation and the African continent human, cultural and spiritual relations becoming stronger every day to the greatest benefit of the American and African peoples. Je suis persuadé, Monsieur le Président, que la présente visite nous offrira l'occasion d'aborder les grandes questions d'intérêt commun. I know for a fact, Mr. President, that my visit will give us a chance to discuss together the major issues of common interest. Je ne doute pas, enfin, que nos entretiens permettront de progresser dans la voie de la recherche de solutions aux problèmes qui préoccupent nos deux parties. And I'm convinced, Mr. President, that our discussions will enable us to make progress in the search for a solution to the problems which are of concern to both our sides. Je vous remercie. Mr. President, I thank you.